Bienvenue dans cette émission spéciale axée sur les services de soutien offerts aux personnes vulnérables, avec un accent particulier sur l'importance des services de la National Empowerment Foundation. Dans notre société, il est essentiel de veiller à ce que toutes les personnes, quel que soit leur âge, leur situation économique, leur handicap ou leurs circonstances, aient accès à un soutien adéquat. Et c'est là qu'intervient la NEF qui s'engage à fournir une assistance aux personnes vulnérables et à les accompagner vers l'autonomie. Au cours de cette émission, nous explorerons différents aspects des services de soutien offerts par la NEF, avec comme invité aujourd'hui Clifford Velien, responsable de communication de la National Empowerment Foundation. Merci et bienvenue sur notre plateau, Clifford Velien. Oui, merci beaucoup, Monsieur Frédéric et toute l'équipe. Et un bonjour aux internautes. C'est un plaisir, une bonne initiative de m'inviter pour expliquer les multiples services, facilités, programmes que la NEF est là pour Bandimoun qui vivent dans la pauvreté absolue. Exactement. Donc, durant l'émission, nous aurons l'occasion d'avoir un aperçu un peu de ce que la NEF propose à ban personnes issues de poches de pauvreté, ban personnes vulnérables, bien dire, dans la société. Donc, au courant de l'émission, l'émission se poursuivra jusqu'à 11h. Donc, vos questions sur le 460-47-16, le 460-47-17. Donc, nous rentrons de plein pied dans l'émission, dans le cœur de l'émission. Donc, tout d'abord, Monsieur Clifford Velien, vous qui êtes rattaché à la National Empowerment Foundation, donc, quand nous t'en cause de la National Empowerment Foundation, donc, quelle est la mission principale de la NEF? Exactement. Et la NEF, la National Empowerment Foundation, c'est une entité qui opère sous le ministère de l'intégration sociale, de la sécurité sociale et de la solidarité nationale. Ok, alors la NEF est beaucoup plus opérationnelle sous division intégration sociale. Par contre, au niveau sécurité sociale, c'est une autre division qu'on appelle Social Security Division qui occupe les autres plans, les autres schemes d'allocation sociale et autres. Okay. Alors, l'objectif principal de la National Empowerment Foundation, c'est de venir en aide à Ban Ki-moon qui trouve dans la pauvreté absolue. Mm-hmm. Okay. La pauvreté absolue, ici, à Maurice, et à ce jour, en mai 2023, nous avons 5438 familles, inclus Rodrigue, qui ont la liste, le Social Register Mauritius, le registre social de Maurice, et qui tombe sous la pauvreté absolue. Et ça, 5438 familles, je te représente 19894 djimoun. C'est-à-dire dans une famille qui a 3 personnes, une autre famille qui a 6 personnes. Mais en tout, ils touchent à peu près 19894, près de 20 000 personnes, côté la NEF, puis en aide à Xaban djimoun, dans Maurice et à Rodrigue. Donc, 20 000 personnes, 5 438 familles qui tombent sous ban service de la NEF, qui gagnent accès à ban service, que ce soit ban allocation ou ban nous connaît même qui la NEF donne ban matériel scolaire, que ce soit d'autres services aussi. Donc, 5 438 familles. Donc, en matière de statistiques, donc, nous trouvons qu'il y a des personnes là, sous le seuil de pauvreté, donc, qui est établi par rapport à la revenu que la famille gagnait à chaque mois. Donc, comment est-ce que la NEF lit juge ces critères-là? Comment une famille, une personne est capable de tomber éligible à 20 services? Alors, laisse-moi prendre l'historique, une vieille question. Et je prends l'historique. Jusqu'à 2016, et ben là, tu considères les autorités. Tu considères ben des gens qui vivent dans la pauvreté absolue. Et ben des gens dont la famille, dont notre revenu mensuel, il pas dépasse 6200 roupies. Qui dit, un dit, Michel a travaillé, madame n'a pas travaillé, ou bien Michel a sommé, madame la travaille, ou bien tu es des travails. Il ne faut pas la totalité dépasse 6200 roupies. Alors, si votre revenu est moins que 6200 roupies par mois, ça tombe dans la pauvreté absolue. Donc, un chiffre qui a été revu par la suite. Justement, un chiffre qui a été revu depuis 2016. Alors, les autorités, et
je posais ta question. Par exemple, dans telle famille, il y a 3 personnes, dans telle famille, il y a 2 personnes, dans telle famille, il y a 6 personnes. Alors, mm-hmm. nous pas capable de dire « one size fits all mm-hmm. ». D'où le pourquoi, nous avons été par rapport, nous avons apporté une aide par rapport au nombre de personnes qui sont dans chaque famille. Mm-hmm. Alors, ce banane revoit ça. Alors, ce banane vient avec un maximum seuil de pauvreté, mm-hmm. hein, là-haut. Et à l'époque, c'était 9 500. Okay. Donc. Il nous roulait même. Mm-hmm. Il venait. Il se cartouillait à un moment, c'était, enfin, les gens de cela, c'était 10 500. Mm-hmm. Okay. Là, dans le dernier budget, mm-hmm. le seuil de pauvreté, et il saute 10 500, il vient 14 650. Mm-hmm. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que, prenez l'exercice, mm-hmm. et d'après qui ça l'annonce là, parmi tant d'autres mesures budgétaires, mm-hmm. fin discuter dans le Parlement, mm-hmm. il voté tout récemment, président, n'est-ce pas, une donne 60, pour donne 60, mm-hmm. même problème. Et là, ça prend en pratique à partir de juillet. Qui peut arriver là? Ils sont 10 500, ils viennent 14 650. Et il y a beaucoup de monde hein, mm-hmm. qui trouvent dans mon revenu plus que 10 500 mm-hmm. et qui moins que 14 650. Je peux venir enregistrer je et vous pouvez expliquer le processus d'enregistrement. Définitivement. Et aux auditeurs, aux internautes. Alors, je peux venir enregistrer je pour être éligible mm-hmm. sur le registre social de Maurice et être éligible aussi pour les services de la NEF. Mm-hmm. OK? Alors, et bien sûr, il y a un communiqué qui peut tirer par le ministère de la Sécurité sociale. Écoute, pour inviter Bandimoun, pour dans différents mm-hmm. et bureaux de la Sécurité sociale à Port-Louis, mm-hmm. À Maurice, mm-hmm. comme à Rodrigue aussi, il y a plusieurs bureaux là-bas. Alors, Bandimoun a un besoin et. Converge là-bas. Mm-hmm. Et je t'amène pendant un ensemble d'explications mm-hmm. et qui vous a pas amené. Bon, en gros, cette carte d'identité, la gagnation de bon membre de la famille, mm-hmm. preuve d'adresse, etc., etc. Mm-hmm. Si je travaille, cette fiche de paye. Pendant de communiquer pour tirer là-dessus. Mm-hmm. Alors, et bon, pour préciser ça bien, l'enregistrement au niveau social register of Mauritius, on appelle ça SRM, mm-hmm. Social register of Mauritius, se fait dans le bureau, dans le bureau sécurité sociale. Mm-hmm. Ok, ah, c'est la commande on a poil et poil à se faire enregistrer pour une série de questions, bien sûr, ben, l'officier de la sécurité sociale pour poser mm-hmm. et apporte ça, l'officier concerné là, mm-hmm. pour rendre une visite au Jimouna. Mm-hmm. Hein, c'est pas une semaine, 2 semaines, selon notre emploi du temps, mm-hmm. pour guetter, pour constater les visites, mm-hmm. pour contre-vérifier l'information que Jimouna mm-hmm. a donnée dans le bureau. Est-ce qu'il dit mm-hmm. est pareil mm-hmm. Ok. Après ça, il y a une unité au niveau sécurité sociale, on appelle ça SROM Unit, mm-hmm. hein, l'unité registre social de Maurice, qui détermine l'éligibilité de mm-hmm. la personne. Comment dire, on a un trou de la famille éligible, mm-hmm. là, on informe nous, informe intégration sociale, division intégration sociale, pour informer la famille éligible, hein, pour venir la nef, pour signer notre contrat social. Mm-hmm. Là, vous êtes saute sous responsable de sécurité sociale, sécurité sociale finit établie à cette éligibilité. Ce mm-hmm. vient contre nous. Nous, nous là pour implémenter pour signer le contrat. Et le contrat, est-ce qu'il y a une durée déterminée? Est-ce qu'il est renouvelable? Oui, deux ans. Renouvelable. Et qui fait nous besoin de temps en temps, et comme si mm-hmm. valide, hein, un genre de revalidation. Mm-hmm. Parce que nous, l'objectif, quand nous mettons Bandimoun, nous la liste de pauvreté, ce n'est pas pour faire notre reste vitam éternam, mm-hmm. toute une vie, mm-hmm. hein, parce que ça ne rend pas notre honneur du tout. Définitivement. Hein, au contraire, c'est un coup de pouce qui se fait de demander exactement. Là pour essayer de rebondir et sortir, et de se remettre sur les rails. Donc, alors, et l'exercice de reassessment, mm-hmm. après 2 ans, permet comme si les officiers de la sécurité sociale vérifiaient, mm-hmm. et c'est pas dit, maintenant, dans le temps, il fait progrès, mm-hmm. ou bien il y a encore toujours comme si, et besoin des services mm-hmm. De l'État, mm-hmm. ou bien une sortie, une graduate, mm-hmm. c'est pas une gain de travail fixe, un travail stable, d'autres revenus permettent d'autres, mm-hmm. d'autres capables, on dirait, veulent de leurs propres ailes, mm-hmm. tenir les autres propres pieds. T'as l'air, encore, dans le programme, un paramètre mm-hmm. qui plutôt nous a développé. Donc là, M. Vélien, ce qui m'a fait comprendre, là, avec l'annonce du dernier budget qui
PNJP prévoit le seuil de pauvreté établi à 14 650, donc ce qui m'a fait comprendre les 5438 familles bénéficiaires, donc ça peut augmenter dans l'avenir. Exactement, exactement, parce que déjà là, l'ISLA est dynamique, ok, mais avec ça l'annonce là, hein, avec ça, et ça une broaden, une élargie, le seuil de pauvreté, 10 514 650, le nombre de familles peut augmenter, et ça veut dire beaucoup de travail chez nous. Et vous pensez l'enveloppe décaissée, le budget alloué à ce fonds-là, il peut aussi Il peut assez, il peut conséquent, il peut assez conséquent. Et parce que, quand on connaît le Covid, pendant 2 ans, enfin Covid, quand Copé a affecté, c'est un pays aussi, pendant 2 ans, il est bien comme si d'une bien touchée par Covid, avec ce bonne implication économique. D'ailleurs, il y a une entreprise qui nous a fermé, il y a une petite passe de travail. Il y a certaines entreprises qui font une downsize, ça vient de diminuer le nombre de personnel. Et il y a une entreprise qui va dire une diminue, une bénéfice, une rémunération. C'est une conséquence. Alors, il y a un appauvrissement de la société. Et il n'y a pas un effet Maurice seulement, un effet mondial. Et d'où le pourquoi. Et les autorités, le gouvernement, ça interpelle. D'ailleurs, depuis plusieurs années, ça peut interpeller le gouvernement. De prévenir à chaque fois un nouveau programme, Et pour faire face à ces appauvrissements-là, d'où le pourquoi, l'ensemble de programmes qui vont mettre pour être Benjimoun qui est vraiment dans la pauvreté absolue et dans la pauvreté. Donc, comment vous pouvez dire, un approvisionnement du besoin de bonnes personnes. Donc, Mandimoun, puis la situation, puis une autre situation, puis de plus en plus difficile. Exactement. Avec tout bonnes contraintes qui n'arrivaient durant ces 2 dernières années, avec l'avènement de la Covid-19, avec tous ceux qui nous suivent avec. Donc, nous constatons aussi une dégradation du tissu social qui vient avec. Donc, la NEF, Lila, pour essayer épaule sa bonne personne issue de poches de pauvreté. Là, essayer de nous donner un coup de pouce pour rebondir dans la vie. Donc, il n'y a pas de pli de service. Si Ben Jimoun, Ben Mauricien, a le site web de la National Empowerment Foundation, je vous trouve une liste de services qui la NEF prodigue à sa Ben Mauricien vulnérable. Donc, et quels sont les types de services proposés, Clifford Belia? Alors, ben type de service, il est basé sur plusieurs piliers. Il y a un pilier qui s'appelle le financement, pour développer, le pilier financier, un autre pilier éducatif, un autre pilier logement, un autre pilier community empowerment et autres. Alors, pour commencer par le pilier financier, et un des gens qui est éligible, une famille qui est éligible, il bénéficie d'une allocation de subsistance mensuellement. Et tous les mois, autour du 15-16, il va recevoir une allocation mensuelle. Et allocation mensuelle, il diffère par rapport à la famille, hein, par rapport au nombre de personnes qui sont dans la famille. C'est-à-dire, si une famille qui est éligible pour les services de la NEF, sur allocation de subsistance, par exemple, à supposer une moyenne de 5 000 roupies, il peut dire qu'il l'autre côté chemin, ce voisin, d'ici, il est enregistré sur SRM, d'ici, il est éligible pour essayer de la NEF. Il va me dire qu'il dit pour gagner 5 000 roupies, il va gagner 3 500, l'autre qui a gagné 7 000, l'autre qui a gagné 1 200. Donc, il est déterminé par rapport aux besoins de la famille. Aux besoins de la famille et le nombre de personnes. Okay. Ça, allocation de subsistance. Ensuite, nous rentre dans. Juste avant de rentrer dans l'autre aspect, il évalue entre combien et combien. Est-ce qu'à combien il est capable de commencer sa allocation de subsistance-là? Oui, de commencer, le minimum, c'est. Et 2000 roupies. 2000 roupies. Ouais. Jusqu'à. Et là, ben là, puis revoir les chiffres. Parce que le fait qu'il se. À un moment donné, c'est 2000 roupies à 8000 roupies. 8000 roupies. Là, le fait qu'il y ait un élargissement du seuil de pauvreté. On va retravailler le bon chiffre. Ouais. OK. Alors, moving au deuxième aspect, deuxième pilier. Ce qui est le logement. Très important. Et l'éducation. L'éducation, OK. Parce que nous tous d'accord, nous tous unanimes pour dire que pour sortir de la pauvreté, même pas simplement pour sortir de la pauvreté, pour se développer, nous venir un individu de demain, c'est l'éducation. Hein, le passeport vers la réussite, c'est l'éducation. Alors, d'où le pourquoi. Et pour sortir de la pauvreté, le gouvernement, les autorités, ils nous tous trouvaient aussi que la lutte
contre la pauvreté, l'Ibsen, dès le départ même, donne les mêmes chances de réussite à tout le monde. L'égalité des chances. L'égalité des chances. C'est-à-dire dans une salle de classe, collège, primaire, secondaire, pré-primaire, etc., peu importe, et tertiaire, dans la salle de classe là, et qui professeur là, peut donner le même enseignement, il faut dire, ben, ces élèves-là, c'est normal, les mêmes facilités, pour suivre la classe, pour assimiler, etc. Vous pensez que c'est pour ça que le gouvernement il adoptait une mesure qui fait une crèche, c'est là que vient la gratuité des crèches. Exactement, tu as les mots là. Alors, justement, elle est là, et nous disons, et les enfants, ils ont un matériel scolaire, les enfants payent à cause de pauvres. Alors, quand vous payez un matériel scolaire, ça, je parle de l'école, et le risque qu'ils te prennent par l'école, les parents, ils ont bien répondre devant les autorités parce que l'éducation est obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans. Les enfants, ils ont un uniforme, ils ont un sac, ils ont un soulier, ils sont sentis comme si frustrés devant les autres. Alors, et les autorités, le gouvernement, tu me dis, depuis plusieurs années, il y a un programme de matériel scolaire. Le matériel scolaire, c'est quoi? Et c'est un joli budget de 3 paires uniformes, 2 paires souliers et qu'un sac d'école. 3 paires uniformes, comme je disais, une paire uniforme, c'est si un élève garçon, ce pantalon, ce chemise, si une fille, jupe avec ce blouse ou bien robe avec ce blouse. 3 paires. Déjà, donc c'est déjà assez conséquent. Conséquent. 2 paires souliers, un sac. Plus, ben, cahier, au début, nous, les autres cahiers, après, les autres, même quand le cahier a fini, les autres, ben, parents. Et j'ai dans le plumier, ben, certains grades, ben, upper grades, qu'on appelle ça, ben, forme. Puis là-haut, les autres, ben, sketchpad, ça s'appelle cornet de croquis, les autres, ben, compas, boîte compas, etc., etc. Chaussettes, tout ça là, tout ça là, ça, plus loin, et je gagne child allowance, allocation et scolaire. C'est quoi ça? Bien souvent, on dit, bon, ben, la scolarité est gratuite, je peux gagner un matériel scolaire, mais je peux en avoir un dans cet estomac. Définitivement. Et ça, vraiment, et pour faire ça, abstenir, on va dire, les enfants là, c'est pas maman là, parents, pas les enfants à l'école, puis on met dans manger, pas maman n'a pas de travail, puis on met dans l'estomac, etc. Je gagne une allocation. Et on appelle ça une child allowance, et de 1047 roupies par mois, et qui est payable tous les 3 mois, mais à condition que la présence de l'enfant à l'école, après primaire, primaire, secondaire, pré-voc, et l'Ibsen est pas moins que 90%. D'accord. Donc, le taux d'absentéisme est assez minime et que l'enfant peut rendre à ce. Exactement. Voici pour les gains un service. Il vient montrer qu'il est intéressé pour gagner un service. Alors, il fait, nous pas capable de mettre un programme, une allocation de scolaire, que les enfants parmi l'école, mais l'autorité, le gouvernement et le ministère, bien. Payer. Pas bon. Il y a un retour. Et retour là, ce n'est pas un retour pour prendre dans la quête du gouvernement, non. Retour pour l'enfant, son propre développement, son propre épanouissement, qu'il pouvait devenir un individu de demain. Parce que l'avenir, ce sont les jeunes qui. Là, c'est eux, c'est l'avenir de demain. Hein. Le futur, c'est eux. Alors, le bien, le taux de présence, 90% à monter, il ne faut pas moins 90%. Vous êtes capable, malade aussi, vous êtes avec un docteur, l'hôpital, qui certifie que tu es malade. Cela, ça va vous déduire dans votre. Il n'y a pas une incidence, là, votre présence. Là. OK? Alors, 1047 roupies par mois, il paye tous les 3 mois. Vous voyez, pour janvier, février, ça se paye en mars. Mars, avril, il y a les Mohammed payés, etc. Ça, deuxième au niveau éducatif. Éducatif. Et troisième au niveau. Si vous permettez, moi, troisième au niveau éducatif, nous avons le crèche. Hein? Alors, bien souvent, nous avons des parents. Tout un jeune parent, une madame surtout, et qui nous a dit, mais je n'ai pas de travail, je dis, non, on a le bébé, nous devons nourrir le bébé, puis la personne pour être bébé. Alors, le système de crèche voucher, c'est-à-dire nous permettre à la maman, quitte aux parents, quitte aux enfants, on donne la crèche, elle en reste dûment, et comme si dûment reconnaître. Reconnu par l'État.
côté ENA comme si permis d'opération et du ministère de genre, l'égalité de genre, c'est eux qui délivrent les permis. Et à côté, les parents déposent les enfants là. Et là, le ministère, l'intégration sociale, il paye un maximum de 2000 roupies. Ok. Et il ne peut pas payer ça, il pas donner l'argent là, maman là, mais directeur ou directrice de l'école, responsable de l'école, maximum 2000 roupies. C'est-à-dire, si la crèche a 100 roupies, 200 roupies, ou bien 1300 d'être payé. Ouais. Ce qui permet la crèche, vous avez dit, ah, c'était mon élément de base, exactement. Que ce soit le lait, que ce soit ma couche, tout ça là, parce que nous connaissons, il y a mon coût, tout ça là. Oui, exactement. Et en même temps, mais d'ailleurs, ça 2000 roupies a fini d'augmenter avec le dernier budget de 3000 roupies. Ok. Hein, qui est assez conséquent, important. Et que ça permet aux parents, surtout à la maman, d'aller travailler. Hein, quand il y a un travail, il génère un revenu. Et revenu, il contribue au budget familial. Parfois, nous tournons devant le cas de madame là. Et je ne peux pas avoir un travail, je ne peux pas avoir une orientation professionnelle. Là, nous faisons l'enquête avec madame là. Mais donc, qui est content, qui est demain, au niveau de la cuisine, au niveau cosmétique, au niveau pâtisserie, au niveau valeting, housekeeping, en fonction et sous capacité, sous compétences, et en fonction de ce qu'il y a envie aussi de développer, là, nous donnons une banque. Dispensé pour la NEF. Pour la NEF. OK. Faire au niveau élevage, bande d'affaires là. Faire MIT, et Collège National, et autres, NCC, et plusieurs services provider, training provider, nous permettent de faire ce cours. Et le cours qui, je gagne 5000 roupies par mois. Ce cours-là peut durer 4 mois, 6 mois, bien 3 mois. 5 roupies de stipend, plus 1000 roupies dans ce cours. Je sortis là, je gagne un certificat. Et ban cours, par exemple, il y a un cours qui nous donne, pendant le cours, nous donne et ban kit pour être pour en prendre. Et à la fin de cours, apporte le certificat, ne pas finir lave la main, non. Par exemple, au niveau couture, et pour ban madame, nous avons une machine à coudre. Ça y est, nous avons tout le kit, nous avons des outils. Pas seulement les formes, là, mais les autres là, non. Donc, il y a un suivi qui se fait par rapport au cas par cas. Exactement. Réorientement de Mandimoun, vers un domaine de prédilection qui se met en compétence. Exactement. Je disais, bon, il m'a suivi un coup, mais s'il a envie, il dirait coup de faire des affaires. Puis nous, on a une machine. Un élève d'une machine. Il m'a suivi un coup de pâtisserie, mais nous avons envie, dans la pratique aussi, de nous être fous. Il y a des comme ça. Abeilles. Élevage abeilles, du miel, telles affaires, toutes les affaires, nous accompagner et ban tout le kit. Parce que développe, et alors, quand on finit ce cours-là, ban cours-là, je n'ai deux choix. Soit rendre une entreprise, une compagnie, peu importe, et par exemple, si un Djibouin qui fait la pâtisserie, qui fait un cours de formation en pâtisserie, et il est capable soit rendre une pâtisserie, soit demande supermarché. Et c'est tout le monde centre commercial et ben supermarché dans notre propre pâtisserie. Là je trouve l'emploi là-bas. Soit je trouve l'emploi dans un café et pour faire gâteau. Soit dans un hôtel. Il en trouve l'emploi. Il y en a qui ont envie de faire leur propre business. Il y va aussi qui ben quand d'une cour pour hairdressing, on a fait coiffure ou bien esthétique, cosmétique. Soit je trouve de l'emploi dans un salon. Soit dans le temps de créer leur propre. Mais est-ce que ça va une personne qui a un certificat de compétence de la je gagne certificat qui dit que voilà, je suis issu d'un milieu bien dit précaire et qui ben là avec la volonté, je voudrais si suivre un coup avec l'aide de la NEF. Oui, c'est certificat là, dit pas mentionné, c'est pas ben dit bonna sur d'une situation précaire, mais il suffit qu'il y ait la signature de notre responsable de la NEF. Et du, par exemple, le signataire du trainer. Par exemple, il connaît NEF, du monde connaît qui déjà, faire des efforts. Dans la pauvreté, de faire des efforts pour envie de sortir de la pauvreté. Et je trouve ça court là pour empower. Vous pouvez dire où ça? Parce que quelquefois, mon recruteur, mon employeur, parfois réticent, parce qu'il nous connaît.
certaines personnes là, ils ont parfois un background à problème, parfois ils ont un antécédent, et donc nous pas connu parfois un employeur est réticent à ouvrir leur porte à certaines personnes là, donc qui en quête d'une autonomie financière jusqu'à exactement. Ce que vous pensez, est-ce qu'il parfois une contrainte oui justement, une contrainte, c'est pas par exemple sur 100 personnes, moi j'ai 100 contraintes, quand il y a une contrainte de 10%, là on intervenir. C'est vrai parce que et le regard des autres sur Banjimoun pauvre, et ça regarde là, ça change, c'est un changement d'attitude, un changement de mindset. Ouais. Parce que nous pas connaît à Ténitam, nous aussi nous qu'à retrouver nous et dans la liste Banjimoun pauvre. Vous connaissez, il y a la pauvreté et qui comme ça, qui un coup, overnight, hein. Un foyer, monsieur travaille, madame pas travaille, mais monsieur là qui subvenait aux besoins. Un coup, il y a un malade, il y a l'été, il perd du travail. Dans les trois mois, il est tous les pauvres. Ou bien il fait accident, malheureusement, et monsieur là est mort. Hein? Ou bien il fait accident même, il est blessé, bien blessé, il n'est pas qu'à travailler. Dis-moi, il fait tous les pauvres. Dis-moi, il est mort, ou bien madame là, il a mis un travail. On ne sait jamais parce que nous sommes tous concernés par la pauvreté. Alors, et toujours est-il que bien un changement de regard, un changement d'attitude envers les pauvres. Définitivement. Donc la NEF, là, pour encadrer, ensemble avec la sécurité sociale, bien dire, c'est un travail. Exactement, un travail d'équipe, oui. Un travail conjoint qui se fait avec le ministère de l'intégration sociale et la sécurité sociale et la solidarité nationale aussi. Et donc, comment est-ce que la NEF travaille-t-elle en collaboration avec cette entité-là? Oui, justement, quand il y a un cas, par exemple, nous recevons Banjimoun, nous avons un comptoir côté nous, au cinquième étage, côté nous recevons Banjimoun. Pas nécessairement nous bénéficier, Banjimoun qui vient et pérou de l'information. Oui. Et qui, si nous trouvons que l'information concerne plus la sécurité sociale, nous référons Banjimoun à la sécurité sociale, soit ce bureau. Si on a par exemple dans l'endroit, peut-être un chemin grenier, Terre Rouge, mais du Tombeau, Pointe de Sable, bien s'il est pour lui, nous fait des astrocôtes. Et me connaît aussi que la NEF a plusieurs travailleurs qui sur le terrain aussi. Exactement, exactement. Alors, et nous réveillons à Manjimouna là-bas, et au van above, nous téléphonons, nous disons que ça, Manjimouna peut donner l'information avec les autres. Peut-être pas trop qu'on exprime lui, mais dis-moi, non, on fait des perrots de ça, des perrots de ça. Mais comme la sécurité sociale donne sa bonne service là, et c'est vrai, la plupart du temps, c'est officier même de la sécurité sociale qui aide. Donc, ce référal, si un dis-moi, on dirait, il y a besoin de place de travail, et nous capables, nous manifester téléphone, si pas par exemple dans tel domaine, manifester téléphone telle entreprise, est-ce que vous payez Dimoun pour travailler tel domaine, tel domaine, il y va pour une construction, il y va pour une entreprise de call center, il y va pour l'hôtel, il y va aussi pour un supermarché. Et toujours est-il que, comme on fait dire, nous avons, on appelle ça un soldat de la nef, qui soleil la pluie de l'autre terrain. Je appelle ça une visite à domicile. Donc, à savoir que chaque région est attachée à une certaine personne qui est exactement. Attachée à une certaine région. Exactement. Même dans la région de Pau-Luy, il est divisé avec beaucoup de régions, de sub-régions. De sub-régions, exactement. Et chaque région-là, nous avons un officier qui occupe tant nombre de familles. Alors, je une visite. C'est ça l'activité principale, le case management, c'est-à-dire l'accompagnement, l'encadrement. Hein? Ce n'est pas nous qui donne service comme ça, non loin de là. Bien, guider, est-ce qu'ils peuvent utiliser ce service-là à bon échéant. Si je ne peux pas utiliser ce problème-là, et lui nous développe une stratégie, que nous aidons, qui m'a dit, si j'ai une difficulté dans sa façon-là, nous faire dans l'autre façon, il est capable de faciliter les choses. Okay? Ou bien, dans le temps, ça, avec sa service-là, donne récit, sortir de la pauvreté. Hein? Ou bien, qui êtes attentes, quelles sont vos attentes, qui êtes plus grand besoin, la case, au niveau travail, au niveau formation, tout ça là, nous sommes soldats de la nef. Et justement, par rapport à ça, donc, on évoque l'axe logement, qui me pensait n'oublier évoquer, à part de l'éducation, à part de l'aspect financier, il y a aussi le logement.
Bah, le logement qui être partagé, donc, le logement social, le gouvernement, ils mettent comme but de construire la construction de 12 000 logements sociaux jusqu'à la fin de ce mandat. Donc, un chiffre qui peut avancer, mais indiquer la construction de ce logement social-là, PFR, petit à petit. Et nous connaît que l'ANEF aussi, faire ce démarche-là pour qu'il y ait une famille, gagne l'obtention d'un logement social. Donc, comment ça se passe par rapport à ça? Parce que nous avons beaucoup de questions par rapport à ça. Donc, toute bonne famille qui nous approchait, nous, qui nous, qui nous traitait, tout dans la manger partie, et disait qu'ils étaient en vienne la case, malgré le fait qu'ils étaient dans un coupel. Donc, est-ce que la démarche se fait de la même façon que la sécurité sociale ou il y a traité autrement? Alors, justement, très jolie question, très pertinente. Mm-hmm. On a des éléments de réponse, mais au niveau éducatif, on a des. Nous terminons, ou permettez-moi, nous terminons oui, l'éducatif. Oui, allez, nous terminons l'aspect parce qu'au début, moi, je suis situé à cause de l'historité. Mm-hmm. On vit que tous les enfants ont une chance égale pour progresser dans l'éducation. Donc, et au niveau éducatif, nous avons cause de la crèche, nous avons cause de l'allocation de scolaire. Au niveau éducatif, l'allocation de scolaire, les enfants basés l'autoprésence, matière scolaire. Ça, éducatif. Et puis, nous avons fait appel. Et quand un enfant, surtout concernant un étudiant, nous avons bénéficiaire, une composé SI ou HSI, l'une passée, c'est moi, il n'est pas satisfait de ce résultat. Ou bien, il une fail, il échoué. Un repeater, peut-être? Un repeater. Ok. Alors, mais. Alors, je nous bien laisser comme ça, pas prendre compte. Bah, ça a une fail, ça. Mais il décide, mais il dit non, voilà. Nous avons besoin de une seconde chance. Alors, la NEF intervient à travers nos ministères, intégration sociale, et pour payer le frais d'examen pour les élèves qui ont composé une deuxième fois, donner une seconde chance, qu'il y ait SI et HSI. Et quand nous faisons un constat, pas de répéter ça, quand nous faisons une deuxième sitting, c'est le résultat meilleur, normal, qui est le premier sitting, et ça donne un boost pour aller l'avant. Point de pouce par de l'avant, parce que si là, quand il trouvait une bienfait dans ce second setting, il va faire HSI. HSI d'une bienfait, il va faire le tertiaire universitaire. Ça, ben élèves qui ben low performer, on appelle ça, hein, partout. C'est-à-dire, qu'en est-il, nous, ben bénéficiaires, nous, ben élèves qui bien travaillent. Hein? Quand nous disons en anglais successfully completed the grade respectif. Nous avons un scheme qui s'appelle School Premium. Okay. School Premium Scheme. À côté, les élèves qui ont fait grade 9, qui ont passé dans grade 9, NCI, et nous donnent 15 000 roupies. Les élèves SCI nous donnent 25 000 roupies. HSI, 35 000 roupies, et THR, undergraduate, 40 000 roupies. Donc, c'est une somme d'argent qui m'a pensé que ça m'a des élèves-là pour CFI, pour, on va dire, pour frais d'admission. Nous connaissons qui se paie pas sa cap-là du secondaire, se paie vers le THR. Il y a beaucoup de frais additionnels qui sujettent à oui. dire ça. Parfois, il y a des gens qui peuvent dire qui ben enfants-là pour faire avec sa somme d'argent-là, même avec man, les 15 000 roupies que les enfants de 18 ans, les 20 000 roupies, pardon, que man, les enfants qui paient atteignent la majorité paient gagner. Il y a beaucoup de polémiques par rapport à ça. Mais ça peut servir pour exactement, exactement. Ouais. Et dans cet cas, un frais administratif et un exemple. C'est une autre chose. Hein. Et, alors, qu'en est-il? Par exemple, d'enfants qui, dans grade 9, là, ils gagnent 15 000. Ils ne peuvent pas gagner directement. Hein. Et ceux-là, d'ailleurs, ils ne peuvent pas encore gagner 18 ans même. Ils ont un compte en banque. Ouais. Justement, ce sont des parents qui ouvrent un compte en banque sur le nom de l'enfant, par leurs autres noms. Léa et le ministère, l'intégration sociale, il vient sa casse là. D'une part, on a un voucher pour vers sa casse là, 15 000. Léa, les enfants, là, quand ils arrivent l'âge de majorité, Léa, l'égalité, il dispose de son argent comme bon lui semble. Comme bon lui semble. Et il a servi pour faire vers studies. Par exemple, si un enfant est signé, il gagne 25 000, il est capable de faire Chelsea. Au revoir, il y a un livre, un manuel scolaire qui se gagne gratuitement.
Et Chelsea, et le dimanche, on code bizarre, c'était un livre à port. Définitivement. Les sons à port, les samedi, sons. Dimanche, mm-hmm. vous trouvez tous les jours, on apprend les sons, etc. Il y a un casque. Ça, au niveau du CAP, c'est ça, au niveau éducatif, further studies, Edly, et université, etc. Comment on est capable, c'est lui qui a ça pour créer sa propre entreprise. Il fait une start-up, petit business, commencer, il sait jusqu'à ça. Alors, un élève qui a bien fait, il gagne 15 000, ça dans ce compte. Il fait bien travail, il gagne 25 000, ça rentre dans ce compte. 40 000. Donc, ceci concerne uniquement les bénéficiaires. Les bénéficiaires de l'année. Les bénéficiaires de l'année. Un élève qui, Chelsea, gagne 40 000, 15 000, 25, il fait et 40. Il gagne 40 en cours, 80. Mais il a servi sa somme-là, s'il dit. Hein? Oui. À bon échange, on va expliquer. Ça, et, c'est au niveau éducatif. Pour revenir à l'aspect logement social, alors, et nous, la NEF, pas insensible, le gouvernement, le ministère, pas insensible à un certain nombre de demandes pour un logement décent. Une demande qui explosait, bien dire. Qui explosait. C'est tout le temps la même question qui revient. Comment faire pour un logement social? Nous, on vit gagner le logement social, mais nous, pas forcément, on a les fonds. Alors, et justement, ce n'est pas la NEF qui définit la politique du logement social. Alors, il y a le ministère de concerné. Donc, ça se réfère à Renman, car. Et dans le ministère concerné qui définit la politique sociale du logement. Le ministère concerné à travers la NHDC. Alors, mais qu'en est-il pour nos bénéficiaires? Nos bénéficiaires, c'est pour nos pauvres. Alors, c'est pas capable comme si les autres d'une situation qui, dans le temps, les pourris. Alors, ce qui amène qui, comme on dit, comme si je paye un logement décent, je t'allais squat dans les autres places, dans terre de l'État, ça crée dans l'autre polémique, une polémique d'occupation illégale, là il concerne la légalité, occupation illégale des terrains de l'État, polémique au niveau voisinage, ben, le voisin, dans une placard, il y a un sabana qui est un regard. Justice, parfois, on dit que nous nous sacrifions. Il a sacrifié, c'est vrai. Il a sacrifié, il a été, dans le temps, il prend l'aune, on peut payer, voilà, on dit que comme ça, il prend. Mais toujours est-il, ne pas porter un jugement comme si, et pour en finir, par exemple, qui ne peut squatter terrain, nous redonnons l'approche qui vient pour Exode. Mais toujours est-il, nous disons comme ça, qui tente le mieux possible, arrêter squat les terrains de l'État, même à lui, faire un sacrifice, à lui, mettre la case, etc. Et, de la façon, hein, parce que nous ne sommes pas capables à la nef. Et quand on demande une préférence, cautionne l'illégalité. Exactement. Ah, c'est là, pour revenir à la question, et il y en a deux types de schemes concernant les logements sociaux à la NEF. Nous, il y a une bonne famille, même dans la pauvreté absolue, une bonne bénéficiaire, on va dire, mais et qui, dans le temps, à travers de parents, de grands-parents, de gagnent terrain. Mais je parlais de payer les moyens pour monter une construire. Case, pour construire. Ça coûte aujourd'hui. Ça coûte, et de plus en plus. Si aujourd'hui, vous payez 900 000, 500 000, exactement. Ou plus même, voire plus. Ou pas aujourd'hui, plus. On a un long article ban logement, surtout pas au niveau aussi que le gouvernement peut faire, les 12 000, qui est une bonne initiative d'ailleurs, qui a commencé, une bien commencé, mais on passé. Parce que quand c'était en place, on trouvait des blayages, des faits pour monter la case d'énergie ici. Mais il y a une bonne et contracteur, entre guillemets, qui peut profiter de sa situation, de fait causer là, qui peut embêter mon, qui peut promettre d'autres bons et merveilles. Et avec le bon prix, comme on fait dire, au niveau du prix de ce matériel de construction, c'est pas évident. Alors, pour revenir à nos clients, nous avons une affaire qui s'appelle FCH, Fully Concrete House, c'est-à-dire une maison entièrement en béton. Ok? À côté, pour ben bénéficier qu'il y a un terrain, pour ben bénéficier qu'il y a un terrain, nous engageons monter la case, ça m'en dit mon nom, une case de 50 mètres carrés qui y comprend deux chambres, salon, salle à manger ensemble, et salle de bain, toilette et la cuisine. Ok? Dehors, et dans ce temple sceptique,
septic tank, on appelle ça. Et il y a là, ce coût, il est 1 million ou bien il y a 1.1 million. Contre les 1.1 million. Le barème, le coût de la maison. Le coût de la maison, il ne pas excède ça. Non, parfois, il y a une circonstance qui excède ça. À côté vraiment, il y a une grosse, bien intervenir, une machine tractée, tiens bien. Un coût ça. Donc, mon pensée, c'est au cas par cas. Au cas par cas. Mais il y a une moyenne, 1.1 million, 1 million, 1.1 million. OK. Alors, le bénéficiaire, il paye que 20% du coût. OK. Et le coût. Ça, 80% restant, là, c'est le gouvernement, hein, à travers le ministère des Relations sociales, qui intervenir pour payer la différence. Là. Et tout s'est fait dans la transparence, nous faisons un tender pour inviter une contractée, une bideuse, et, etc. Comme ça, l'exercice, comment ça se passe. Correct. Ça, ben qui est dans le terrain. Okay. Mais qu'en est-il, ben bénéficiaire qui est dans le terrain? Vous voulez jouer comme ça, hein? Loin de là. Parce que si vous êtes ici, vous avez une aspiration, vous êtes famille. Si vous avez envie, bonnes enfants. Et finalement, quand bonnes enfants, vous pouvez vivre dans votre propre placasse. Et il y a une autre et dimension de vivre, une autre joie de vivre, une autre envie de réussir. Et bien, vous avez là, je peux en prendre, je peux ici, Dieu. Mais vous pouvez vivre dans une carte comme si vous avez l'appli, la chose, ce n'est pas une bébête. L'environnement, exactement. Ça, ça favorise l'épanouissement, même. Exactement. Alors, il y a l'ANF, il signe un accord avec NHDC. D'accord. À côté, ça remonte 3 à 4 ans de cela. Et à côté, dans tout lotissement qui NHDC peut faire construire, dans tout l'endroit, et nous acheter 10% de la case. Un exemple. Si d'un endroit X paie mon 100 la case, la NEF, le gouvernement, à travers la NEF, assez, et 100 la case, c'est 10 la case. 80 la case, c'est 8. 60 la case, c'est 6. Allez comme ça. À travers Maurice. Hein? Là, nous vendons ça la case là, à nos bénéficiaires, un prix bien raisonnable, 20%. Puis on paye des pôles, on y est. Dans le temps, étaler la mensualité, le repayment. OK. Étaler dans le temps. Donc, ce n'est pas un one-off payment, c'est étaler dans le temps. Donc, je vous fais une facilité de créer. Exactement. OK. Ouais, facilité de paiement plutôt. De paiement plutôt. Oui. Parce que, bon, l'ANF n'est pas une institution financière, ne pas faire oui, pas fait cash, profit, pas loin de là. Et ça, alors, la question se pose, mais combien la case de montée, ça a 3-4 dernières années au niveau FCH, c'est pas une jeune qui peut habiter ce terrain, combien la case de l'institution de l'année? Alors, au niveau FCH, 2017 à là, 2023, nous donnons 293, nous construisons 293 la case. Je regarderai la case. Donc, de 2017 à 2023. Là. Oui, oui, à ce jour. Il y en a 47 qui ongoing, qui peut construire, qui va une livraison là, dans les mois à venir. Et la demande est dynamique. Hein. Là, la demande est 15. Il n'y a que 15 d'immunes. Qui formule la demande. Qui formule, parce que c'est un terrain. Parce que dans sa catégorie, il y a des qui vivent dans la famille, qui vivent dans la propriété absolue. Là, c'est bien rare qu'il y ait des gens qui ont un terrain. Ce n'est pas des gens qui montent la case. C'est comme vous dites, comme si une famille de l'exode. Mais dans le voyez, bah, grands-parents, ils ont un bout de terrain. Il peut, Mais au niveau et NHDC, depuis 2019 à 2023, à ce jour, et de remettre 203 à la case. Okay. 203 familles qui finent gagner les clés dans la case NHDC. La case NHDC. OK. Et que, en cours de route, là, il y a un pipeline, et nous pouvons gagner 48 là qui nous gagne les clés bientôt, du courant de juillet et janvier 2024. Donc, voilà, autant de services que la NEFP prodigue à Ban Mauricien, issu de Ban milieu précaire, bien dire. Donc, l'importance de ce service-là, selon vous, il faut lever bien, la NEF est une entité qui travaille avec le ministère de l'intégration sociale et donc, l'importance de ce service-là dans la vie de cette personne-là. Est-ce que, vous pensez, sans la NEF, il y a beaucoup de familles qui pourraient être dans une situation encore plus difficile? Absolument.
Absolument, absolument, qui prenait un impact et sur plusieurs, plusieurs axes. Mm-hmm. Un impact à côté, et capable d'approcher toute la prostitution, mm-hmm. et la grossesse précoce. Vous connaissez comment Dimoun, un jeune, très jeune même, de 15 enfants, déjà un autre nouveau famille qui peut. Qui peut vous rendre dans la liste de pauvreté. Il y a intergénérationnel. Mm-hmm. Alors, nous, pour nous couper sa tendance intergénérationnelle-là, mm-hmm. nous venons qu'il y a l'ensemble de programmes de formation et empowerment. Ça va un programme éducatif. Empowerment, là, sur tous les niveaux, éducatif, et formation et l'emploi. Mm-hmm. Et empowerment, life skills. La skill, c'est un cours, vous ne pouvez pas gagner le temps, 17-50, vous ne pas gagner le temps de développer ça. Mais et ça, et l'impact aussi qui patine à l'ANF, mm-hmm. la drogue. Mm-hmm. Et quand il y a la drogue, la violence. Mm-hmm. Mais hein? si vous voulez, nous capables de donner un peu de temps pour les vendre, de nous l'occasion de développer un peu sur l'aspect-là. Oui. Alors, c'est bien dans ça. Tu prenais vraiment comme si. Tu prenais un problème, au niveau au niveau sécurité, mm-hmm. hein? Tu prenais un problème au niveau économique, mm-hmm. au niveau sanitaire, on redit, au niveau de la santé. Et là, ça, tu prenais un impact même, et l'eau, l'image même du pays. Mm-hmm. Hein? Quand nous payons dans les smart cities, mm-hmm. nous payons ce pays à revenus. Aux revenus, ok, mm-hmm. et nous venons de modèle, pas un pays africain, mm-hmm. mais quand nous sommes de l'autre côté, et nous trouvons du monde, encore pas de vie, mais à vivre, là il y a un problème pour nous, l'image, mm-hmm. ok. Alors, nous venons de donner le bon exemple, aide nous du monde avant, donne-nous le bonheur, le développement, l'épanouissement que vous méritez, mm-hmm. comme tout être humain. Mm-hmm. Et les moyens aussi. Et les moyens, à travers les moyens. Mm-hmm. Ok, à travers les moyens, et ce n'est pas les deux autres et les moyens, et les deux autres nous dèment ça, les autres, il n'y a pas l'aider, mais les autres, non. Mm-hmm. Parce qu'à la nef, et nous pas favorise l'assistanat. Mm-hmm. Ok, nous pas faire l'assistanat perdure, parce que du moment qu'il dit mon an, nous persister, dit mon an, assister, mm-hmm. nous pas une tendance, pas faire des efforts. Mm-hmm. Parce que nous voulons même dire, aide-toi, nous aide-toi. Mm-hmm. Aide-nous, nous aide-toi. Mm-hmm. Ok, fais une part, nous aussi fais. Donc, si vous avez fait la part des choses, faites des efforts aussi. Faites des efforts, vous êtes capable de montrer, de démontrer l'intérêt pour sortir de là. Mm-hmm. Pour sortir de là, c'est pas espérer que l'État aide, assister. C'est finalement, au bout du compte, vous n'avez pas envie de sortir de la pauvreté, de dire que l'État va demander tout. Je pourrais s'attendre. Je pourrais s'attendre. Mm-hmm. Ben, les enfants, vous avez grandi mm-hmm. dans sa mentalité-là. Mm-hmm. C'est aussi de continuer comme ça. Ce intergénérationnel, la pauvreté intergénérationnelle pour perdurer. C'est un cercle vicieux d'une certaine façon, vicieux. Ou pensez-vous oui. que la famille qui zodit dans une situation de précarité, ce parent, tu comprends, c'est une certaine valeur, une valeur qui a manqué, qui se cultivé, exactement. Qui perdurait au sein qui perdurait justement, d'où le pourquoi dans life skills. Life skills, c'est une aptitude de vie, basique, hein. Baiser, faire des années à l'université, grand collège, l'école, etc. Mm-hmm. Et comment ça se passe? Et nous avons 13 modules touchant c'est quoi un budget, dépenses et revenus, mm-hmm. et c'est quoi la sexualité, c'est l'importance de l'éducation, la discipline, la propreté, et comment se comporter, comment on prépare pour une interview, et ben, au niveau sanitaire et autres. Hein. Mm-hmm. Et l'ensemble, ben, valeur surtout. Le respect de soi, comment gérer les conflits et parents, entre parents, conflits intergénérationnels, enfants et parents, etc. etc. Mm-hmm. Le respect du voisinage, l'environnement, c'est un ensemble de modules mm-hmm. qui nous donne, nous fait ça au niveau région, hein, nous donne, nous ban bénéficiaires, nous invite jeunes, une fois par semaine, si tu es allé aux 13 semaines, mm-hmm. Roland Centre, puis pour côté de la case. Dans chaque module, il y a une intervention de valeur. Mm-hmm. Et tout le monde me dit, eh ben, la valeur, ce n'est pas une affaire pour l'université, pour la cité Valère. Ou pas pour rendre un supermarché, ou quand au moins des livres Valère, ou bien 200 grammes Valère, mm-hmm. ou bien 10 roupies Valère, non. Mm-hmm. Valère se trouve en soi. Tout le monde, l'eau salatée, là, qui naît avec les mêmes valeurs. Okay? Les troubles dans nous,
Mais à force qui est nos pays grandit, nous sentons-nous conditionnés. Pas nous conditionner, nous laissons-nous conditionner par et les habitudes sociales, familiales, etc. etc. Ben, nous allons les cacher dans nous. Des fois, c'est le peer pressure, parce qu'ils nous connaissent, c'est Mandy Moulin, souvent issus de l'endroit qui a problème. Oui, fois. Exactement. Je même sous-estime ça. Je dis, ah, yo, qu'est-ce que je vais rester? Je t'écrase même. Alors, life skills permet de pour trouver ça. Faire je découvrir à travers ce cours-là, valeur sur l'importance. Donc, d'une certaine façon, nous pouvons dire que l'UNUF encourage à la participation active de sa man bénéficiaire. Exactement. La décision sur exactement, parce concernant. Que pour gagner un bon résultat, avec un cours qui peut un service, un programme qui m'ont fait que numéro, bien fait, dis-moi, épouse ça programme. Fais-le content, fais-le porte à tes programmes. Donc, s'adhérer, une adhésion. D'ailleurs, ils sont ensemble avec sa programme. Parce que si c'est la NEF seule d'un seul côté, donc ça vient des deux sens. Exactement. Donc, il n'est pas pour marcher. Il n'est pas pour marcher. Parce qu'il y a une cause qui dit seul, on est invisible. Mais ensemble, nous sommes invincibles. OK? Alors, et pour ça, et puis ça aussi, il y a une mentalité qu'il a, qui a, ben, parents, écoute-moi, les bons qui. Dans certaines familles, les parents, parfois, utilisent les mots pour dégrader les enfants. T'as à qui en prendre, tu peux en prendre, toi, qui te penses tu es un docteur, toi, tu penses tu es un avocat. Donc, c'est qui. Depuis au début même, parents l'aiment là. Décourage l'enfant. Ouais. Décourage l'enfant. C'est pas une crainte trop amusée. Et, bon, tu pas besoin de l'école. Mon papa, il travaille d'ailleurs, moi. Mon papa quitte toi l'école. C'est pas une mentalité. Mentalité. Et bonne habitude et bon conditionnement qui est bien sensé. Si bons enfants ont trouvé qui parents aiment peut valoriser fort de cette estime de parents là, là les capables pareil comme les autres. Mais si ce pas ce bon progéniture, bon disons qui ne met lui au monde, peut dire et toi qui te pensais, toi qui l'école, toi qui te pensais, tu pas ici, c'est non, loin de là. Il y a ça, j'avais peine dans nos familles, peine docteur, peine avocat, peine apôtre, peine comptable, peine journaliste, peine journaliste de radio, pas pour rien, qui te perd. Mais au contraire, bien de sa valeur là. Et bien, on les trouve à l'intérieur, de pays dormir. Mais bien, à travers nos parcours qui nous donnaient, faire eux prendre conscience, faire eux même faire valer là sortie. Et tu dis ça à Valéla, bon échange. Valéla, bonjour, bonsoir, merci, s'il vous plaît. Donc ce sont des simples choses comme ça qui qui propulsent un dimoun, l'état d'esprit. C'est l'état d'esprit même qui exactement. Faut changer. Ouais. Et parlant d'état d'esprit, parlant des services, une cause de service, une évoque de service, une évoque tout la location de subsistance qu'ils ont offert à certains bénéficiaires. Donc moi pensais qu'il y a mal résultat. Et là, le résultat, il n'y a pas concret de ce service-là sur la vie et bien de ce personne vulnérable. Ou qui, pendant près de plus d'une décennie, au sein de l'ANEF, nous avons besoin de trouver un cas, un success story, une famille. Exactement, oui. Ouais. D'ailleurs, nous faisons plusieurs reportages au là, qui, à travers l'ANEF, ils ont dit, ils ont gradué, c'est-à-dire ils ont sorti de la liste. À côté vraiment, ils ont gagné la case, à travers la case, je l'améliore ce niveau de vie. Et là, au niveau de scolarité même, c'est une aide pour vivre. Il y a déjà un lauréat, pas cette nom. Il y a déjà un lauréat, il y en a qui peut en prendre Singapour, il y en a qui en prend dans l'Université de Maurice, etc. Et qui est un bon étudiant, un lauréat, un ADO, il peut en prendre. Mais un bon response. Et dans le temps, vous connaissez, pour tirer du monde à la pauvreté, c'est pas comme si, overnight, et du jour au lendemain, et pour lui, on alors demain, tu es correct, tu es toujours en pauvreté. Il y en a qui vraiment besoin fait un travail assidu, rigueur, continuel, fait eux comprendre, c'est nous pouvons accompagner eux, nous pouvons encadrer eux, mais ça a willingness, sa volonté là, c'est pour là, vis-à-vis de depuis eux. Depuis eux même. Et parlons de l'avenir. Donc, comment est-ce que la LEF prévoit-elle, Clifford Vélin, d'étendre ou améliorer ce même service dans les années, les mois à venir?
Et justement, nous avons l'équipe qui peut travailler, parce qu'à chaque fois qu'on a un budget fini prononcé, nous avons l'équipe qui peut travailler pour guider, par exemple, par rapport aux annonces qui concernent l'ANF et qui concernent les pays, et qui met nous pour implémenter ça, l'annonce-là, hein? Et puis ça, qui banne les autres nouveaux et programmes, en tout cas associés, pas nécessairement qui nous passent dans, il est capable de passer dans le cabinet, qui est capable d'augmenter comme si et l'exposure de Juan Zimuna, qui dans le temps, se sortit de la pauvreté au plus vite qui est capable. Donc il y a un comité qui parce que vous connaissez, la société, ben, c'est un besoin sociologique. Hein? Il changeait d'année en année. Ok, là, ben trend, ben pattern, tendance. Par exemple, et 20 ans de cela, ce ben besoin, hein, c'est différent par rapport à là. 15 ans de cela, ben besoin, c'est différent. Regardez comme ça. Hein. Alors, si nous étudions, ben besoin, ben, par exemple, au niveau de l'emploi, ben des gens qui peuvent offrir l'emploi, ben employeur, ben des gens qui peuvent avoir de l'emploi, il y a un mismatch. Ok? Et ben des gens qui peuvent avoir de l'emploi, bien souvent, je n'ai pas gagné un emploi que je peux rouler. Par rapport aux besoins du marché aussi. Exactement, ouais. C'est ça, ça, c'est ben l'autorité concernée, de besoin corrige ça, mismatch-là. Et ça, c'est des gens qui peuvent supply, ben job-là, et il y a des gens qui font une interview, mais ce n'est pas ça, ben des gens qui peuvent rouler pour ce. C'est ben des gens qui peuvent rouler de travail, là, ce n'est pas bien un employeur qui peut rouler, ce en fonction des pays. Parce que si tout le monde vient d'avocat, si tout le monde vient de faire les autres, exactement, manque à combler. Exactement, oui, oui. Et donc ça veut dire que si vous comprenez pour l'avenir, il y a un comité qui rejoint les autres en fonction des budgets, en fonction des décisions du cabinet, pour apporter un nouveau service, un amélioration dans les services. Ouais, ouais. Pour apporter un nouveau service et pour voir aussi, est-ce qu'il y a un tel programme dans le passé, il travaille bien, ou bien bien. Réorienter d'une autre façon, redonner un cachet beaucoup plus intéressant, beaucoup plus utilisable, et qui pourrait un return à l'avenir pour ben bénéficier, ou bien nous besoin phase out ce programme-là, trouver un nouveau même programme, et parce qu'il y a un nouveau besoin sociologique par rapport à la société même. Hein. Et par exemple, la tendance alimentation, la tendance alimentaire, de plus en plus, beaucoup de gens fast food, etc., etc. Le PSD, ça a une valeur de manger en famille, dans la maison, etc. À côté, madame ou Michel Pécuy peut mettre ça dans l'amour familial, là, à manger, là, c'est un autre débat. Ouais. Alors, c'est toujours utile qu'il apporte ça. Et ben, nous avons un medical screening qui nous fait avec le ministère de la Santé et d'autres bénéficiaires. Nous avons servi lunettes hein, pour nous, un étudiant. Parfois, tout. Au niveau primaire ou tout secondaire aussi, mais plus du tout primaire. Tous les enfants, moi, je dirais, parents qui n'arrivent pas à connaître, les enfants n'ont pas capable de suivre classe, pas capable de lire. Ok? Pas que ça vraiment un problème ici. Alors, nous, nous faisons un programme de medical screening, un optométriste, dans les quartiers par quartier. Nous guettons, si les enfants-là se need for an optical glasses, nous donnons. Tout cela tombe dans l'éducation. Éducation, vous remarquez un ensemble de services pour éducation pour répondre à ce qui est une petite abonnée, qui est l'éducation, le passeport de la réussite, la clé vers la réussite. Alors, nous donnons un programme qui s'appelle Sanitary Towers, une fille, une étudiante, aux jeunes filles, bien souvent. Peut-être peinant les moyens. Peinant les moyens, là, je parle de l'école, parce que je me sens embarrassé, c'est normal, c'est humain, et qu'il est là quand je parle de l'école. Ça a un impact sur les performances scolaires. Nous mettons ça au programme là. Et on rend compte, par exemple, parfois dans une maison, dans la case, il n'y a pas deux jeunes filles, trois jeunes filles qui sont bizarres. Ce qui fait un budget entier. Un budget. Oui. Diapers, couches. Des couches. Pour, et 0 à 1 an. Depuis l'année dernière, on établit ce programme là. Qui lui donne, il va pour mourir, c'est pour réussir quand on a le programme. Sauf logement, nous pas tous Rodrigue. Rodrigue, il y a un OOE qui occupe ça. Rodrigue, il y a un OOE qui est dit au niveau logement. Et puis, il y a un centre et une activité récréative, un programme de training, empowerment, skim, etc.
Oui. Donc tout cela, pour bénéficier de tout ce même service-là, il faut vraisemblablement être bénéficiaire de l'ANEF. Donc maintenant, pour être bénéficiaire de l'ANEF, il y a une procédure. Ah oui, justement. Oui. Alors, d'où ça l'interaction et intégration sociale, sécurité sociale rentre en jeu là. Exactement. Tu as l'air un petit peu au niveau de... Et relationnel, niveau relationnel, on a deux divisions-là, très très choisies et très très intéressant, nos relations, excellentes relations avec deux groupes d'officiers. Alors, par exemple, un Jimoun qui peut écouter un internaute, puis écoute ça pour nos auditeurs, puis écoute ça programme-là, et il dit oui, mais on veut bénéficier des services de la nef. Mais il ne faut pas que la personne vienne dans le bureau de la nef. Et pour bénéficier de service. Il y a toute une procédure. Un screening qui fait. Et heureusement, ce n'est pas la même entité qui fait le screening, qui détermine l'éligibilité, qui implémente, non. La responsabilité. Et c'est sécurité sociale, c'est pas un bureau. Du moins, un bureau plus proche de sa localité. Par exemple, c'est un Jimoun Carbone. Il y a la sécurité sociale Carbone. C'est un Jimoun QAP, puis la sécurité sociale. Il y en a comme ça. Quand il y a un bureau de sécurité sociale, il y a même son code d'identité. Avec une copie code d'identité, tout le monde, un Jimoun qui est majeur, qui vit dans ce lacasse. Plus l'acte de naissance, ce Jimoun-là, plus une preuve d'adresse. S'il travaille, amène une fiche d'emploi, une fiche de paye. Alors, s'il y a dans un bureau de sécurité sociale, là, il y a l'enregistrement, il dit, mais il y a un enregistrement pour SRM. Il parle d'un bureau de sécurité sociale pour dire que j'ai besoin de la case ou bien j'ai besoin de matériel scolaire. Alors, on resterait dit pour SRM, pour éligible pour les services de la nef. Comment SRM, il étudie ce cas, il pose plusieurs questions au bureau, il a compte vérifier ses propos à travers une visite à domicile chez la personne. Pour pas qu'on ait dit, vous n'avez pas un bureau. Monsieur Frédéric Arrigue, on connaît. Une vérification pour l'éligibilité, le critère, si le calage génuine. Exactement. Mais en moyenne, la procédure prend combien de temps pour qu'il y ait un mois et demi. Un mois et demi. Et là, si Jimouna est éligible, envoie Jimouna contre nous pour lui signer ce contrat social qui comprend l'ensemble de sa manne service. Donc, allocation de subsistance, l'ensemble des matériels scolaires, formation et autres. Pour logement, il y a ça deux types qui vont expliquer où là. Pour, et par exemple, FCH, Fully Concrete Housing Unit, et si vous avez un souterrain, il n'y a pas de problème. Mais pour NHDC, il y a les autres critères attachés. Si vous avez fini éligible, éligible pour l'ensemble des services, mais pour logement là, il y a un sous-critère qui est attaché, qui fait si vous avez comme si, qui mérite beaucoup plus de hardship case. Voilà. Quand il y a la priorité absolue, il y a un case, il y a un hardship case aussi. Hardship case, par exemple. C'est un petit peu plus difficile. Plus difficile. Si vous avez loué déjà, il a plusieurs enfants, il a quitté, des gens qui sont malades, côté, etc. Il rentre dans la liste à cause de sa chance pour gagner la case. Et il est beaucoup plus rapide qu'il gagne moins hardship case. On ne peut pas dire qu'il gagne moins hardship, pas pour gagner, c'est dans le temps. Dans le temps, il n'est pas pour overnight comme c'est. Donc, une panoplie de services. Oui, un ensemble de services. Un ensemble de services qui la NEF peut prodiguer. Donc, si je comprends bien, quand un Jimoun est éligible, donc il a droit à tout ça, l'ensemble de services-là. Exactement. Il peut faire l'application pour l'axe éducation. Donc, ça bénéficiera pour gagner droit à l'ensemble des services. Exactement. Par exemple, un Jimoun qui est éligible pour les services de la NEF, et parents-là, et la maman, puis gagne une allocation de subsistance pour, vous voyez, une allocation de subsistance, on appelle ça un income support, un soutien à son revenu déjà qu'il gagne. Il gagne sur le travail dans la cour, il travaille un petit, il paye dans la classe pour tes rations. C'est une genre de top-up, comment dire, Un enfant qui l'école, matériel scolaire, comme je disais, trois paires uniformes, des paires souliers, tous les années. Ce qui me pensait, c'est que pour une personne qui est issue de milieux vulnérables, c'est une manière qui plisse, exactement, critique pour eux d'arriver à la fin de l'année, ils ont besoin de prendre matériel scolaire, uniforme, soit là, dans le Jimoun, tu me dans une situation. Mais au niveau de classe moyenne, je veux dire, quand je gagne très gèrement, classe là finit dans matériel scolaire, dans livre d'école, etc. Ce qui fait représenter un budget conséquent.
Par exemple, si NCD va en récomposer, intervenir, school primaire, la crèche d'enfants payée. C'est un ensemble de choses, la case dans le temps. Donc, ce qui pourrait amener moi, peut-être une dernière question, Clifford Vélien nous connaît qui, voilà, sûrement il y a d'autres préoccupations au courant de la journée. Donc tout cet ensemble de services, il représente un gros budget. Donc, est-ce qu'il y a une enveloppe décaissée par l'État, il représente quel nombre de... Non, il faut m'opérer l'information. Là. Ok. M'opérer l'information, mais si vous... Vous voyez, maintenant, distribuer une bonne budget, il y a un annexe, ou quand on trouve un chiffre. Là. Ok, ouais. D'accord. Et donc, l'émission PEP tirera sur la fin, Clifford Vélien. Merci d'avoir répondu à nous l'appel aujourd'hui sur le plateau à nous moyer piqué. Donc, qui n'est là comme thème aujourd'hui, nous bisons Yéli, comme thème aujourd'hui, la NEF, le soutien aux groupes vulnérables, l'importance des services de la NEF. Donc, un mot de la fin. Oui, merci beaucoup. Alors, merci beaucoup. Et... Solidarité moyen piqué sur radio, merci beaucoup pour l'internet qui écoute nous, Merci aussi pour une question très, très intéressante, très pertinente. D'ailleurs, c'était une émission de pédagogique, de dissémination d'informations. Et je souhaitais qu'il y ait des gens qui écoutent nous, qui ont besoin de ce service-là. Et je t'ai fait cette demande, je t'ai enregistré, comme on fait dire. Et quand je gagne un service-là aussi, utilisez à bon échant. Oui. Et voilà, monsieur de Banzibou, une bonne chance dans la vie. Mais croire en eux-mêmes. Parce que dans eux, il y a l'ensemble de valeurs. Hein? Prends eux les temps, retrouve eux. Et seul dans un coin que tu étais, sous l'orbe, en bas de pied, dans eux la case, etc. Fais bonne valeur là, sortir. Et eux-mêmes utilisent bonne valeur là. Eux-mêmes, je peux dire à nous qui vraiment, hein, dans le temps, c'est bonne valeur là pour être eux. Donc, cultiver les bonnes valeurs et avoir les bons gestes. Oui. Donc, avec ça dévalait l'âme. Donc, Bandimoun, mon français, pour capable d'essayer de sortir de bons problèmes qu'ils ont trouvé avec l'accompagnement de la NEF, de la Sécurité sociale. Donc, il y a beaucoup de soutien, d'aide qui peut être donnée. Donc, l'émission à nous moyer piqué peut tirer sur la fin. Donc, l'émission d'aujourd'hui, axée sur la NEF, les services de la NEF tirent à sa fin. Donc, à nous moyer piqué revient ce mercredi avec Emmanuel Lembrum et Rodney Pierre-Louis pour une autre émission que Banca pourrait être évoquée et une solution trouvée. Donc, l'émission thématique revient lundi prochain avec un nouveau invité qui sera en plateau. Donc, me remercier nos collègues à la technique, Richie Kramkissoun, qui assure la réalisation de cette émission. Et merci beaucoup à Clifford Vélien d'avoir répondu à nos questions. Et bonne journée à vous tous.